se sont terminées. Dans quelques instants, nous allons les apercevoir pour certainement répondre aux questions des journalistes et donner les détails de leurs échanges et pourquoi pas fixer l'opinion sur les caractères de cette coopération entre la République de Gambie, entre la République de la Gambie et la République démocratique Congo. Giscard Koussema, les échanges ont duré près d'une heure. Et voilà, donc nous avons les images de sortie forcément ou alors des autres membres de la délégation qui doivent rejoindre le groupe restreint qui a participé aux échanges avec les chefs d'État. Forcément, nous allons avoir tous ces détails, mais apparemment les gens s'affairent à prêter la salle ou carrément à faire entrer dans la salle d'autres intervenants venus avec les chefs de l'État gambien, mais aussi ceux qui accompagnent le président de la République au cours de cet échange et cette audience accordée à son homologue gambien, Adama Barrow. Oui, Eddy Tchala, comme vous venez de le décrire, les deux chefs d'État viennent donc de terminer l'entrevue en tête-à-tête. Ils sont en ce moment seuls à seuls, donc le véritable tête-à-tête, parce que le collaborateur qui les accompagnait vient de prendre place dans une autre salle adjacente au salon diplomatique. Et d'ici quelques instants, les deux chefs d'État vont devoir se présenter à la presse. Nous l'avions annoncé au départ que cet tête-à-tête devrait se dérouler en deux temps. Dans un premier, les deux chefs d'État étaient accompagnés de leurs collaborateurs respectifs. Côté congolais, on a noté la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Abala Bene Abala. Il y avait aussi la présence du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, celui-là même qui avait fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le président Adama Barrow, et puis également le directeur de cabinet du chef de l'État. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Adama Barrow, qui vont avancer jusqu'à l'espace qui a été aménagé pour la rencontre avec la presse. Toutes les dispositions ont été prises pour que la déclaration du président Adama Barrow en anglais soit traduite simultanément sur les antennes de la RTNC. Et voilà, les deux chefs d'État qui avancent, et vous remarquez une présence nombreuse de professionnels des médias. Je crois que pour l'instant, nous allons donc suivre les deux Excellence, chefs monsieur le d'État. Président de la République de Gambie, Giscard Koussema. Excellence, monsieur le président. Oui. Excellence, monsieur le président de la République de Gambie, bienvenue. Excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, nous voulons juste savoir brièvement pourquoi a tourné votre entretien. Et si vous nous le permettez, on pourra peut-être laisser un petit peu de temps à nos amis de la presse. Je me lance. Voilà. Nos entretiens ont été très intéressants, très chaleureux. Ils ont porté sur les relations entre nos deux pays. Et j'avais commencé d'abord par féliciter mon cher frère, le président Adama Barrow, tout en lui souhaitant la bienvenue à Kinshasa. C'est la première fois qu'il vient dans notre pays. Je l'ai félicité pour sa brillante réélection dans un pays qui a connu un taux de participation d'ailleurs de près de 89% et où des élections se sont passées dans le plus grand calme qui soit. Et au-delà de ça, nous avons parlé des opportunités qui pourraient se présenter entre nos deux pays, des opportunités d'affaires bien entendu, du renforcement de la diplomatie et
la mise en contact, en relation de nos ministres des Affaires étrangères respectifs afin de développer justement ces domaines de coopération dans lesquels nous voulons très rapidement nous lancer, lui et moi. Et voilà, donc c'est sur ces points que nous nous sommes beaucoup attardés. Et je suis heureux de vous dire que de part et d'autre, il y a vraiment un engagement à vouloir accroître la coopération entre nos pays respectifs. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président gambien. Thank you. Basically, I think my counterpart have said it all. My visit here basically is to strengthen the relationship between Gambia and Congo. And I think I have to seize this opportunity to congratulate myself because I'm the fourth sitting president, Gambian president, to visit Congo. And we have a lot of Gambians in Congo who have been here since the early 60s. So Gambia, we are well represented in Congo un pays qui a des relations étroites avec la RDC, avec beaucoup de citoyens gambiens qui sont ici. Et on a également eu citoyens qui ont été des très bons ambassadeurs so de notre pays ici en RDC. Donc nos relations sont là, mais nous voulons les renforcer. Nous voulons nous assurer que nous puissions maintenir la communication entre nous et nous pouvons marcher vers l'intégration de l'Afrique, ce qui est très important. Et aussi voir comment on peut avoir l'appui que nous avons reçu pendant ce temps. Alors que le président avait été à la tête de l'Union africaine, il a pu envoyer un représentant qui a pu superviser les élections. Nous tenons à remercier le président Tshisekedi pour cet appui et nous espérons qu'on va avoir des relations commerciales ouvertes entre nos deux pays. So it's a pleasure. Donc pour moi, un réel plaisir que de me retrouver ici en RDC aussi pour voir mon collègue Tshisekedi. Une question de la Mr. President, there's a question from the Gambian President. The good afternoon, Your Excellency, and thank you so much for this. Bon après-midi, merci. I would just like to ask how important is this visit in strengthening the relationship between on peut voir cette visite dans le cadre de du renforcement des relations entre la Gambie et la RDC. Quels sont les domaines dans lesquels les deux pays vont renforcer leur coopération? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nos entretiens ont porté sur les opportunités et ici nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer son transport, des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc, nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. Une question de François Katendi des Enjeux africains. Ma question s'adresse au président Adama Barrow. Quelles sont vos attentes par rapport à votre première visite en RDC et quelle est votre vision du type de partenariat que les deux États peuvent nouer, sachant qu'ils n'appartiennent pas à une même sphère linguistique, ils ne sont pas dans la même région géographique et surtout ils n'ont pas la même taille. Je vous remercie.
Yes, thank you. Well, I think the world has moved on. Le monde a beaucoup progressé. Je ne pense pas que la langue soit une barrière aujourd'hui. The world is a global. Le monde est devenu un village planétaire. Et donc la communication est devenue facile, l'accès est devenu facile. Donc je ne pense pas que la langue soit une barrière. Mais cette attentes sont assez élevées, en ce sens que le président Tshisekedi avait été à la tête de l'Union africaine en 2021, donc il gérait carrément l'Afrique. Et donc en venant ici, c'est dans l'ambition de pouvoir collaborer avec la RDC, et aussi voir comment on peut investir, et voir comment renforcer nos relations bilatérales. Ainsi, nous pouvons renforcer les commerces entre les deux pays. Je pense que c'est extrêmement important. Et aussi, le transport. Our region and this par, region, the central region, par la région d'Afrique centrale est assez difficile. So, nous estimons que les moyens de transport est une opportunité importante pour nous, pour nous, nos pays concernés, pour voir comment ils collaborent so et aussi voir comment faciliter en fait l'accès à travers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et la Gambie. Géographiquement, nous sommes mieux positionnés. Nous savons donc pouvoir interagir avec plusieurs pays, donc le transport aérien pourrait donc être très utile comme un domaine dans lequel on coopère. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, et nous pouvons donc communiquer davantage et aussi voir comment intégrer l'Afrique et ainsi nous pouvons renforcer nos relations. Et donc nous avons des visions pour les affaires entre deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, laissez-moi au nom de la presse vous dire merci. Les questions ont donc été posées, vous les avez suivies, et les deux chefs d'État ont répondu clairement aux questions posées par les confrères qui étaient choisis pour la circonstance, les domaines du bois, du transport, surtout les transports aériens, mais aussi des infrastructures, questions qui préoccupent tous les Africains, sont les secteurs prioritaires dans cette possible coopération entre la République démocratique du Congo et la République de la Gambie, dont le président est ici en visite officielle. Les échanges avec le chef de l'État ont pris plus d'une heure. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays vont se charger de renforcer cette coopération voulue par les deux chefs d'État. Et une importante communauté gambienne se trouve en République démocratique du Congo, ce qui veut dire que les relations de fraternité ont précédé, bien sûr, la formalisation sur le niveau diplomatique des deux chefs d'État. Mathieu Modibangou, les deux chefs d'État ont fini le tête-à-tête et je crois que les échanges ont certainement intéressé les Congolais et les Gambiens qui nous suivent à travers le monde. Biasolo Edi Tchala, touti kolanda bisoba sokati ya likitalie zaki obosoba bandeko bisoba panzi sangopo na botuni mituna kolande mama solo mae batata bakonzi bango mibale basolo lipene na ngonga mobimba ya solo ongambo ya mokambiko Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisete basolo li mingi penza po bokembisi bobembani okati ya bikolo bebi bale koluka kotombola mabimba tali botamboli wa batonzila mpepo pe kota lolenge ya botongi eza mombongo motali nzete pe misala miike me misali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akumisi elonga ya moninga wa ye Adama Baro oeleko mapono misala maki lolenge alongaki na bilembo bike penza likolo ya mokama bongo batata bakonzi bango babale lolenge basololi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atali se zambami matali lotiliki na nzela énergie mami maike mazala litomba okata bikolo bibale ongambo ya tata mokonzi ya ekolo ya Gambie ye pas vu maloba pona kotesete ya solo bobembani bozala litomba linene katikati na bikolo bibale kosombitina mami matali mombongo okati ya ekolo ya Gambie pe République démocratique du Congo kotala masolo mantina mami mazaki okati ya batata bakonzi bango babale nde masolo mantina mami masami moko mwalelo. Merci Mathieu Modibangou, Giscard Koussema. Les échanges ont pris
près d'une heure. Les deux chefs d'État ont répondu aux questions. Je crois que pour aujourd'hui, c'est là que va se terminer notre transmission directe. Tout en remerciant les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers la RTNC, un seul message, c'est le renforcement de relations entre la République démocratique du Congo et la République des Gambie, avec comme point d'attention le renforcement du commerce. Nous l'avions déjà dit, Banjul et Kinshasa, il y a une activité commerciale assez importante. Kinshasa a aujourd'hui une forte communauté gambienne et donc voilà une opportunité d'affaires qui s'offre entre les deux États. Et le ministre des Affaires étrangères vont poursuivre ces contacts qui a eu lieu au sommet pour que désormais il y ait des relations privilégiées entre la République démocratique du Congo et la République des Gambie. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et vous fixer rendez-vous très prochainement lors des autres grands événements auxquels la RTNC ne manque jamais de prendre part en vous retransmettant en direct. Merci. Spectateurs de l'émission Carré Parité, nous vous saluons et vous remercions de l'attention sans cesse que vous ne cessez d'accorder à votre émission que vous aimez beaucoup. Tout savoir sur l'actualité musicale, c'est sur Carré Parité. L'actualité musicale de nos artistes d'ici et d'ailleurs, c'est dans votre émission Carré Parité. Beaucoup d'invités.